show un peu spécial aujourd'hui puisqu'on part à la découverte d'un collectionneur qui me fait le plaisir de m'accueillir chez lui pour me faire découvrir sa collection de Diaclones. Diaclones qui sont les ancêtres des Transformers distribués en France par Joustra et qui bénéficient d'illustrations superbes au niveau du packaging faites par les frères Grisi qui sont des illustrateurs de SF. Ça date des années 80, c'est des illustrations qui étaient faites à la main et surtout Christophe va nous présenter une collection de 15 ans avec des pièces rares, des morceaux de packaging, des boîtes exclusives et puis surtout son approche à lui, son expérience en tant que collectionneur. J'ai appris aussi que Christophe mettait en vente toute sa collection, donc c'est vraiment une chance pour moi d'aller voir peut-être pour l'unique fois dans ma vie une collection aussi énorme. Et même si le temps est pourri, en tout cas la journée s'annonce plutôt ensoleillée dans le cœur des collectionneurs. Alors nous voilà donc chez Christophe, collectionneur de Diaclones, et là c'est ça, voilà, sa petite cartonnette préférée avec le jaguar et la dédicace des frères Brizzi. Ouais. Qui t'ont fait, mais quand tu les as rencontrés pour une petite interview. Exact, donc en fait c'est ceux qui ont fait toutes les illustrations des boîtes de Joustra, donc que tu peux voir que tu es en train de filmer. Ouais. Donc uniquement la série hein, par contre, donc on verra après, on a quelques exemplaires de la série 2. Et donc en fait on peut dire que c'est eux qui ont popularisé cette gamme de jouets, parce que c'est vraiment quand tu voyais les dessins, quand tu étais gamin, que tu avais envie d'acheter la boîte quoi. Carrément. Puisque tu voyais pas le jouet, tu n'avais pas de boîte fenêtre contrairement aux Transformers. Donc les ventes ont été, on sait qu'elles ont été très très bonnes à l'époque sur ces jouets là, ils se sont un peu gavés. Et c'est vraiment grâce à 100% grâce aux illustrations des frères Brizzi. Et donc sur chaque boîte que tu es en train de filmer, ça représente le jouet qui est à l'intérieur. Et donc tu avais dans chaque boîte une petite bande dessinée dans laquelle le jouet en question était mis en scène. Donc tiens, si tu veux un petit exemplaire. Hein, donc ça c'est l'épisode numéro 1 que tu vas retrouver donc dans cette boîte là par exemple. Alors, je sais pas si on voit bien, mais donc dans l'épisode en question tu as le dessin de la boîte et l'histoire avec le jouet qui est mis en scène. D'accord, donc là ils ont carrément repris par exemple ici cette case là pour faire l'illustration de la boîte. Tout à fait. Et en fait chaque pour chaque boîte c'est pareil. Ouais, c'est super. C'est super. Et alors je vais filmer ta composition que tu as fait avec chaque petite BD. Parce que là, on les a toutes en une seule planche. Donc ça c'était le challenge hein, donc du site justradiaclone.com. C'était de réunir tous les épisodes, sachant que les épisodes 2 et 3 n'ont jamais été sortis parce que donc, ils étaient destinés à des jouets qui étaient sur carte, donc avec une bulle, et tout simplement ça rentrait pas sous la bulle. Donc c'est incroyable, mais à l'époque c'était comme ça. On voit que si tu veux c'était pas, enfin c'est surprenant, c'est pas très professionnel, et je sais pas comment les spécialistes ou les responsables du marketing ou de je sais pas à l'époque comment ils étaient organisés avaient prévu leur coup, mais dans tous les cas tu pouvais acheter tous les jouets que tu voulais hein, peut-être fasses pas, mais j'en doute, tu n'avais jamais les épisodes 2 et 3. Donc là voilà, en exclusivité pour toi, on les a. Alors tu veux dire que là on a ces fameux épisodes jamais sortis. Alors ça c'est. Alors là tu parles des épisodes donc attention 11 et 12. 11 et 12, voilà. Pardon, autant pour moi. Non, il n'y a pas de problème. Donc ça je les ai eus donc grâce aux frères Brizzi. Et ceux-ci n'ont jamais été publiés du tout non plus. Mais pour une autre raison, ils étaient prévus pour la vague 2, donc des jouets Joustra. Vague 2 donc sur laquelle ne travailleront pas les frères Brizzi, pour une raison que eux-mêmes ignorent, puisqu'ils avaient fait des illustrations donc, que tu es en train de filmer, qui était prévu donc pour les modes de la deuxième vague qu'on verra, qu'on va voir tout à l'heure. D'accord. Alors est-ce que tu peux me parler un peu par exemple de chacune des pièces, celui-là. Donc celui-là, parce qu'on discutait un peu avant tout à l'heure, on peut voir qu'il y a écrit Gitane sur le côté. Et en fait, dans le jouet, si on regarde, il y a écrit Citane. Ouais, tout à fait. Alors pour des raisons de droit ou, ouais, ou peut-être pour pas. Pour pas inciter les jeunes à fumer de la gitane, surtout. Alors, que ça doit être commencer, et t'as les droits, parce que si c'était donc des voitures qui étaient utilisées pour concourir sur des circuits, donc je pense qu'ils n'avaient pas non plus tous les droits. Voilà, donc le jouet en question. Alors je suis désolé Mathieu, mais on va pas le transformer. Ah, d'accord. Que... Et non, vous ne verrez pas non plus la transformation de. Ok, très belle pièce en tout cas.
Donc ça, voilà, c'est ce qu'on avait pour chaque Justra. Donc c'est une boîte en polystyrène avec un petit espace, on peut le voir, pour un pilote qui n'était jamais présent dans la boîte, puisque Justra, dont son concept, n'avait pas besoin de ces petits pilotes, c'est ça, ouais. Et donc tous les jouets, hein, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est comme les Transformers, sont prévus pour recevoir un petit pilote. Et certaines versions même aimantées, comme l'Optimus Prime pour les premières versions, pour pouvoir permettre à ces petits pilotes de tenir, quoi. Donc là, ici, on a finalement la première version d'Optimus Prime avant même qu'il s'appelle Optimus Prime. C'est ça. En fait, si tu veux, la même année pratiquement, et Hasbro et donc Justra ont commencé à... Enfin, avaient acheté certains droits pour certains exemplaires et ont produit pratiquement en même temps, ont sorti pratiquement en même temps, Justra un peu en avance, leur concept de robot transformable. Et c'est Diaclone Truck c'est son nom sous sa marque Diaclone, quoi. Alors c'est moins classe qu'Optimus Prime, c'est un autre délire, mais c'était lui aussi le chef entre guillemets des gentils. Et on avait, tu m'as dit, déjà le logo dessiné finalement des Transformers dessus. Alors on va le voir sur quelle carte. Sur celle-ci par exemple. Tu vois, je sais pas si tu le vois bien la caméra, là t'as un logo Autobot. Donc c'est présent sur tous les. Certains jouets Justra, pour des raisons de droit, enfin voilà, je vais pas rentrer dans le détail, mais effectivement, y compris derrière la boîte du Diaclone Truck, tu as un logo sur le dessin, un logo Autobot sur l'épaule du Optimus Prime, quoi. Donc c'est marrant, je sais pas si à l'époque on n'avait pas fait sans doute attention à ça, et c'est assez incroyable, quoi. Et quoi, tu l'as, voilà, il est présent sur les cartes que tu es en train de filmer. Et on a aussi celui des Decepticons au final. Les Autobots. Tout à fait, tu l'as. Non, regarde, sur le Condor. Attends, je suis à l'envers. Tu vois ? Ouais. Et sur le Jaguar aussi. Ah non, celui-là est enlevé. Mais on sait qu'il est, parce qu'il y a certaines cartes qui ont été ouvertes, qu'il est présent aussi derrière le Jaguar. Ensuite, bah là on a le fameux Robocolt, voilà, effectivement, ton préféré. Qu'on verra plus tard, on verra la différence entre les KO et puis l'original. Voilà, il est là. Alors il existe en deux versions. Donc celle-ci, moi je la transforme pas parce que voilà, c'est une version qui est très fragile, donc le plastique est bleu. Et tu as une autre version qui est beaucoup plus solide où le plastique est rouge. Donc je sais que tu vas faire une revue dessus, donc j'en dis pas plus. Simplement, ce qui les différencie également, donc je pense que tu vas le montrer, c'est le plastique. Il n'est pas du tout de la même couleur, il n'est pas de la même teinte. Et voilà, c'est une des particularités, pour des raisons que j'ignore. Mais simplement, celui-ci est vraiment beaucoup plus robuste que la version bleue, qui est vraiment très très fragile, qui se brise à tout le coup. Moi, je connais aucun exemplaire qui est pas cassé, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres Diaclones où on a des problèmes comme ça de cassure, de plastique Certaines pièces, je te disais tout à l'heure, comme ces deux-là, le Diatren et le Cosmocar, qui sont faits à Macao, le plastique bleu, il brise très facilement. Alors, attends, tu bouges pas, je vais te montrer sur... Donc là, tu vois, en loose, j'ai un Cosmocar, et à ce niveau-là, souvent, ça peut péter. Le Diatren, celui-ci, donc je l'ai qui est neuf, donc il appartenait au frère Brizzi, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà, le nez est cassé, tu vois. On est typiquement sur les problématiques dont je te parlais, ce fameux plastique bleu, enfin qui avec le temps vieillit très mal. D'accord. Je sais pas si tu te souviens au téléphone, je te parlais des mains des Alcor et Actarus. Tu vois, je pense qu'on est en un même type de problème, c'est le plastique que j'ai choisi n'était pas de bonne qualité, quoi, tout simplement. Alors ça, tu me disais que c'était une pièce. Ah, mais je vois que tu passes directement à la vague 2. Attends, on n'a pas fini. Effectivement, on va finir. Qu'est-ce que tu peux me dire encore donc sur ces... Simplement, là sur l'étagère, tu as la vague 1 qui est complète avec des pièces plus ou moins rares. Je pense en fonction donc de la quantité produite et de la popularité du jouet. Aujourd'hui, on a du mal à trouver des jouets qui étaient vraiment très populaires à l'époque. Et aussi, les plus chers, je pense, sont plus faciles à trouver puisqu'à l'époque... on le sait tous, on avait plus de facilité à se faire offrir des jouets les plus abordables, entre guillemets. Donc ceux qui étaient chers, on les avait beaucoup moins. Et donc aujourd'hui, on les retrouve à la limite plus facilement en neuf, quoi. Pour le reste, on aura du loose. Donc là, tu as le chef des méchants, on va dire. Voilà, c'est Multiforce 14 que tu es en train de filmer. Donc c'est l'adversaire de Diaclone Truck dans la bande dessinée des frères Brizzi.
C'est le Megatron, on va dire. Ouais, mais alors, il est pas très classe, hein, la transformation, je suis pas vraiment méga fan. C'est 14 petits véhicules qui s'assemblent, qui forment un robot. Bon, c'est assez approximatif, il n'y a pas vraiment de... Enfin, après, chacun a son jeu préféré, mais voilà, celui-là, ça va pas être le mien, quoi. D'accord. Et là, les fameuses Robo Watch. Donc tu veux qu'on parle des transformations ou pas? Oui, parce que alors, ça, c'est tout à l'heure, on a un peu rigolé. Tiens, tu te montres pas tes... Là, c'est vrai qu'on pourrait s'attendre à ce que finalement on ait une montre et un robot, mais non, on a beaucoup plus. On a ici le lanceur intersidéral, ce qui saute aux yeux tout de suite. Le véhicule galactique ici, hein. En fait, on recouvre le bracelet et puis on obtient ça. La navette lunaire, pourquoi pas. Bah, c'est évident, voyons. Voilà, le vaisseau cosmique, tu m'en diras tant. La créature solaire, d'accord. Plutôt breakdance, moi j'aurais dit. Ouais. Et ça, qu'est-ce que c'est? L'intercepteur orbital. Bon, voilà. Ah, effectivement, il nous montre son orbite. Je crois qu'il n'y aurait pas dû guerre, mais les gars, nous prenez pour des cons. Et la base spatiale, tout simplement, le dos évident. Du robot. Voilà, c'est tout évident, ouais. Là, c'est un gros effort d'imagination de part du marketing ici. Donc, c'était les débuts, je pense, du marketing. Hein, on gobait un petit peu tout. C'était 1985. Et puis, il y a la pub qui va avec, que je vais vous montrer. Voici le monde de Chronoform, la montre robot qui peut se transformer. Elle devient une station de combat. Elle devient une navette spatiale, un char d'assaut cosmique, une créature solaire, un robot et plus encore. Chronoform. La machine a marqué le temps qui se transforme, le temps de le dire. Chronoform, dans les tons or, noir et argent, de Takara, vendu séparément. Et là, on arrive directement dans la vague 2, si je ne m'abuse. Tout à fait. Avec des pièces ici, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? C'est beaucoup plus rare parce que suite au succès rencontré par les Transformers, donc en 85-86, Justra a entre guillemets coulé, enfin sa production de Diaclone a fonctionné pas du tout. Donc tu peux voir que c'est des boîtes fenêtres, c'est la différence avec la série 1. Donc je pense qu'ils ont un peu voulu copier l'esprit de Hasbro avec leurs Transformers. Tu voyais un peu le jouet, les boîtes sont un peu plus séduisantes. Alors, ce que je vous montre aussi, parce que c'est ça qui est vraiment, pour moi, qui est magnifique, c'est les illustrations. Voilà, donc on reste, si tu veux, c'est un concept un petit peu hybride avec la vague 1. Tu as l'illustration plus le jouet en boîte fenêtre. Et devant le succès de Hasbro, en fait, toute cette vague 2 a été rachetée par MB, donc Milton Bradley, pour être vendue sous licence Transformers. Donc, c'est des jouets qui sont très rares. Celui-ci, par exemple, si tu veux, voilà, bon ben, je l'ai acheté il y a pas très longtemps sur eBay. On en parlait tout à l'heure. C'est la première fois qu'on le voyait, enfin, à part peut-être celui qui l'avait acheté en 1985, mais c'est du jouet très très rare et vraiment introuvable. Donc voilà, c'est vraiment un plaisir pour moi d'avoir réussi à rassembler toute cette collection, enfin, d'avoir toutes ces pièces et de partager ça donc avec toi et avec tous ceux qui pourront regarder la vidéo. Ceux de là, tu les as en loose aussi, on peut les voir transformés. Ouais, bien sûr. Bah, en loose, ils sont assez classiques, hein. Sunstreaker en version Transformer et ça c'est Hand. Alors là, okay. C'est un peu Laurel et Hardy, tu vois, il y a le grand, le petit. Bon, tout à l'heure, tu as pu voir que les transformations sont pas. Bon, c'est pas non plus. C'est du vintage quoi. Ouais. Mais on va... Bon, ils sont dans leur jeu. Celui-ci c'est un MB, un original. Celui-ci, je crois qu'il vient des States, tu vois, il n'y a pas la carte de pied est jaune un peu plus clair. Donc, c'est pas exactement le même quoi. Ok. Et ça, donc, c'est ce qu'il y avait à côté, donc les cassettes, là on a la cassette moto. Ouais, tout à fait. Donc ça, c'est des jouets Microman, qui avaient été achetés, la licence avait été achetée par Justra. Donc la transformation, elle est vraiment astucieuse. Donc c'est une moto, bah, on va prendre, t'en as deux, donc t'as la moto hélicoptère. Pour la moto, bon, c'est assez simple, hein. Mais je trouve que ça fait son petit effet, c'est efficace. Ça se transforme en cassette. Et donc tu avais même le boîtier de la cassette. Alors attends, tac. Voilà, et c'est à l'échelle 1-1, donc c'est-à-dire que ça c'est une vraie cassette vidéo. Super. Cassette audio, donc TKR, donc Takara. Voilà, tu vois, Metal Battle Bike, donc t'avais même le nom du jeu dessus. Anglais, quoi. Ouais. Donc c'est la même échelle qu'une cassette. Et pareil, pour donc celle-ci qu'on a en haut en hélicoptère, ça se transforme vraiment enfin, en hélicoptère, entre guillemets. C'est vraiment la taille d'une cassette avec le petit boîtier qui va dedans. Ouais, le vrai boîtier en plastique des cassettes d'époque. Exact. Et enfin, alors là, The Piece bon, bah, of the là, Piece. Là, je crois que... Le Grail of the Grail. Ouais, donc celui-ci, ben, j'ai jamais vu d'autres exemplaires que le mien. Voilà, bon, je trouve que la boîte est magnifique, l'illustration. Enfin, je trouve que la mise en scène
du produit est super intéressante. Enfin, c'est vachement attractif. Donc peut-être que tu vois, si Justra avait conçu leur packaging un peu différemment, peut-être ça aurait pu peut-être un peu marcher. Ça arrive un peu tard, c'est pareil, c'est la deuxième vague. Celui-ci, tu vois, il vient d'Angleterre et il avait été acheté à Paris au printemps ou au Galeries Lafayette, je sais plus. À chaque fois que j'ai un jouet, j'essaie de comprendre, de retracer un petit peu son parcours. Ce qui est sûr, c'est qu'il était produit, pareil, à très très peu d'exemplaires. Et pour le détail, tu as ici donc le numéro de... Alors, tu es ici. Où exactement le numéro de... Voilà, alors, on voit pas trop, mais ça, c'est le numéro, donc Justra, 8669. C'est le tout dernier numéro de la gamme. Donc, c'est le dernier jouet qui a été produit dans la gamme Diaclone et Justra. Et pour moi, c'est le plus rare, quoi. Après, on a d'autres choses. On a donc ce Diatren-là, pareil, que j'ai acheté au Frère Bridy. Donc, c'est un exemplaire... de pré-production, donc on n'a pas la boîte en polystyrène. Pareil, enfin, c'est un plaisir d'avoir ce jouet parce qu'il a une vraie histoire. Tu vois, il a appartenu, donc il était envoyé par Justra au créateur de la bande dessinée. Enfin voilà, pour moi c'est un vrai kiff de pouvoir l'avoir, quoi. Et alors là, on peut voir par exemple, tu me disais que là, ce logo là, on n'a pas ici ce petit dégradé noir comme on a par exemple sur cette boîte là. Alors, ce que je te propose, on va passer sur la vitrine celle-ci là. On pourra bien comprendre ce dont tu parles et ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que sur certains exemplaires de boîtes, enfin des boîtes de test, le logo est différent. Donc, on peut voir ici que tu as donc un liseré noir. Donc, ça, c'est la version définitive, hein, ce qui est vendu dans le commerce et ce que tu arrives à trouver. Et donc, sur certaines boîtes, donc de pré-production, tu n'as pas ce liseré noir et c'est ce qui fait la rareté. Et effectivement, sur la boîte de la balle aigle que tu viens de filmer, il n'y a pas non plus le liseré noir. Donc on ne sait pas, enfin voilà, c'est sorti, ça a été vendu, mais je pense que le produit n'était pas tout à fait abouti. Dans tous les cas, c'était vraiment la fin de série, donc ça sentait la fin, quoi, entre guillemets. Ouais. Et donc ça, c'est des... C'est des... Ah, ça, c'est mon petit trésor, c'est ça. Donc c'est acheté au Frère Brizzi, pareil. Ouais. Donc ça, c'est des boîtes de pré-production, c'est des boîtes test qui sont faites. Donc là, ça, c'est absolument... Enfin, j'ai vraiment une chance de dingue d'avoir ça. C'est fait avant donc de lancer la commercialisation, et notamment tu vois sur ces deux boîtes on peut voir qu'ils faisaient des tests, et c'est pas le logo donc final, ce qu'on vient de dire, qui a été utilisé, quoi. Donc pareil, c'est des frères Brizzi qui ont eu la gentillesse de m'offrir ces pièces. Et on a des cartes pareil de pré-production, donc là tu le vois pas à l'écran, mais le rendu est différent, le papier n'est pas glacé, quoi, tu vois. D'accord. Après, c'est pas, bizarrement, c'est pas du unpunch, tu vois. C'est, enfin, j'ai été surpris qu'il y ait justement le trou de préfet. Je pense que c'était pour avoir un produit le plus fini possible. Ouais, donc ça, c'est une des cartes les plus rares à trouver, hein, comme je disais tout à l'heure sur de chez Justra, donc c'est le Zetar. Donc voilà pour les petits trésors. Eh bien voilà, bah, super, merci beaucoup Christophe. Avec plaisir. Alors aujourd'hui, tu te sépares de ta collection. C'est ça, ouais. On peut voir qu'elle est en vente sur eBay. Actuellement. Elle est en vente sur eBay, exactement. On peut dire à quel prix? Ah bah, on peut aller voir sur eBay. Sur eBay. 40 000 euros. J'ai 40 000 euros. Un peu ambitieux, effectivement. Mais, c'est 15 ans de collection qu'on a sous les yeux, là, ici. D'un vrai passionné. Hein. Donc j'ai commencé par revendre quelques doubles. Effectivement, bah, aujourd'hui, la famille s'est agrandie. On a des projets professionnels qui font qu'on n'a pas les moyens de pouvoir tout faire. Donc écoute, je vais passer la main à quelqu'un d'autre. Donc mon but, c'est de revendre la collection complète. C'est peut-être pour ça que bon, déjà effectivement le prix est un peu excessif, mais c'est pour bien vendre entre guillemets, pas à n'importe qui, bien sûr. Et ensuite voilà, l'objectif, c'est de que cette collection elle reste en une seule collection, que les pièces soient pas dispatchées à droite à gauche. Pour moi, c'est important. Après, c'est plutôt psychologique et symbolique, mais voilà, pour moi c'est un vrai sens, c'est vraiment une vraie passion d'arriver à réunir toutes ces pièces. Ça m'a demandé du temps, mais voilà, c'est un vrai plaisir. Et surtout la démarche, si tu veux, de rencontrer les créateurs de la BD, enfin de faire tout ça, voilà, ça n'a pas de prix. Donc vous pouvez le retrouver sur mon site, exactement. Justradiaclone.com. C'est ça, ouais. Voilà, tout à fait. Bon, peut-être qu'il y en a qui connaissent, d'autres qui connaissent pas. C'est un peu une niche, hein, c'est pas très très connu, les Diaclones de Justra. Mais c'est des belles pièces, pour moi, avec un beau packaging. Enfin, et voilà, ça fait partie de... C'était fait en France dans les années 85, c'est un peu le fleuron de ce qui se faisait à l'époque. C'est le symbole pour moi des années 85, quoi. C'est des années qui nous ont marqués, n'est-ce pas, Mathieu? Tout à fait. Mais merci Christophe. Avec plaisir.